Ouais, rien. Moi, je sais pas pourquoi. Ça te dirait de venir camper avec moi, Gilbert? T'as pas vu le temps qu'il fait? Ça va s'arranger, les prévisions sont bonnes. Bon, d'accord. Garçon, deux bâtisses doubles et trois frites. Écoute bien ce que je vais te dire. Quand la mangeaille, t'as plus à t'en faire. Je vais t'emmener chez des amis. Je te le rends, il n'y a pas d'horoscope. Qu'est-ce que c'est l'horoscope? L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi? Moi aussi. New York Herald. C'est Dieu, mademoiselle Sabine. Si seulement vous appeliez Dieu comme vous appelez le mal. Payez. Et la cuisine, tu sais la faire? Oui, et marcher sur les mains, et danser sur un fil, et jouer du violon, et dresser les chaises. Monsieur Hinault, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne? Oh merde, il l'enlève. On vient de se taper 200 km à pied en 6 jours. Ça vaut bien un petit week-end, non? Hé, hey, là-bas! Je sais, mais je pense que si je reste, il lui arrivera rien, ma maison. Très bien. Alors faites préparer des blocs-notes, des crayons. De l'encre et des chemins. Oui, enfin, les préparatifs habituels, monsieur le ministre, tout sera prêt. Qu'est-ce qui se passe chez vous? C'est parce que je vous emmerde, monsieur. Vous, votre affreux boudin de phare, et votre sale chat. Oh! Vous savez à qui vous parlez? Au gros tard que je croise. Juste un coup d'œil. Rosen, je t'avais dit que je serais toujours derrière toi. Rosen est mort. N'Djala est mort. Quant à moi, ça se décide en ce moment. Ah bah oui, c'est ma fille. Voilà, mais... Oh, mais tu n'as pas honte d'essayer de me faire croire des bobards pareils à moi.